TV. Ma aussi wado kwemi ton legbe. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Sans mélange. Je m'appelle Agbedon Naomi. Je viens de Kokotome. L'Éternel Dieu a fait un grand miracle dans ma vie et je veux le partager avec son peuple. Quand j'étais ensemble avec mon mari, à cause de la situation financière, on s'est entendu pour ne pas vite enfanter. Et quand on a connu Port de Vie, la situation a commencé par s'améliorer. Nos activités marchaient. Et je lui ai dit, maintenant comme les choses marchent, maintenant il serait mieux que nous fassions notre enfant. Maintenant, quand on a voulu maintenant faire d'enfants, la grossesse ne venait pas. On est devenu partenaire, mon mari et moi. J'utilisais l'eau des partenaires et l'huile des partenaires. Un jour, on était venu en conseil prophétique chez l'homme de Dieu. Et papa, et l'homme de Dieu a dit, vous êtes déjà devenu partenaire, donc vous allez enfanter. Donc, mais on continuait de venir et moi, je disais que le miracle tardait. Donc, et 16 février. Le 16 février, on était venu à la prière, j'étais assise devant là. Et papa a localisé, madame, on l'a dit via l'OMBR. Et l'homme de Dieu m'a localisé et demanda, madame, tu veux le fruit des entrailles? J'ai répondu oui. Et il a dit, mets ta main sur le ventre, ce qui bloque ta conception, tout sortira aujourd'hui. L'homme de Dieu a prié pour moi, disant, je te donne 3 mois, ton miracle deviendra réel. Donc, 11 passé, mois de juin, 11 passé, t'es dans un saut, grand popo beva, le problème est Toronto, il va quoi, papa, conseil prophétique. Le 11 juin passé, j'ai une soeur qui est venue de grand popo parce qu'elle avait des problèmes et on était venu voir l'homme de Dieu. Donc, il y a un problème, il y a un prophète, il voit, que y a un petit, il y a un papa. Et quand on est venu, elle a fini d'exposer son problème à l'homme de Dieu. On allait se lever. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, papa, mon miracle tard a venu. Je veux le recevoir rapidement. Papa là, que Noël a corrompu. L'homme de Dieu, quand il a ouvert sa bouche, il m'a dit, mais tu es déjà enceinte. Aïe, 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 aïe. Quand ta bouche, on parle. Et nous, Béji, Amissi, Sadio, et de quoi? C'est que c'est fait. Et tu mets ton indo, et quoi une Bible? Bébé m'avait en ligne de prière. Et il m'a dit de faire la ligne de prière. Le dimanche, elle a touché. Et le dimanche, il va m'impacter. Donc, il y a un mec qui le plan, il faut en ligne de prière, mais en bon moment, venant vidéo et au Madina. Et quand je suis allé m'inscrire pour la ligne de prière, j'ai dit à celui qui enregistrait les gens d'écrire des jumeaux. Donc, dimanche, est assis, pour un homme dimanche. Le dimanche qui a suivi, l'homme de Dieu m'a imposé la main, il a prié pour moi. Donc, veille partenariat que mi va y sauver mi 3 requêtes mi va. La veille du partenariat le 25 juillet passé, on avait décrit 3 requêtes avant de venir. Donc veille même mi requêtes ensemble, veille même mon requête mi. Je ne l'avais pas fait au préalable, j'ai dit la veille je vais les écrire. Donc requête à mulewo et mon requête à donc me ma dounou ça me ma dounou. Et nous doit mo et mulewo pas, nous le senti vertige. J'avais écrit les requêtes et j'ai dit maintenant je vais manger pour me
couché et j'ai commencé par sentir des nausées, des vertiges. J'ai dit à mon mari, je sens des vertiges. C'est comme si le palu allait commencer. Lui, il m'a dit d'aller prendre du paracétamol et de prendre. Et on s'est couché la nuit. Le lendemain, c'était le jour de la réunion des partenaires. J'avais écrit 3 requêtes. Moi, ma première requête, c'était le fruit des entrailles. Donc, samedi, j'ai pas partenaire mis à home. Et le jour là, quand on a quitté la réunion des partenaires, je suis reparti au service dans mon boulot. Je n'arrivais plus à travailler parce que les vertiges étaient intensifiés. Même il y a une cliente qui est venue, mais on n'a pas pu lui faire ce qu'elle voulait. Donc, même à appeler les pharmacies, man. Et j'ai dit, j'irai prendre la quinine à la pharmacie pour boire. En même temps, une voix me disait, tu parles de quinine, est-ce que tu es sûre de ne pas être enceinte? J'ai dit, ah, la date que je devais avoir mes menstrues, cela reste. Et en même temps, je me suis rappelé de la parole de l'homme de Dieu disant, tu es déjà enceinte. J'ai fermé l'atelier en même temps. J'ai payé le test en chemin en même temps. Je suis allé à la maison aux environs de 17h, j'ai fait le test. Ça a donné positif et j'ai sauté. Super. Est-ce que tu es jaloux ce soir? Je viens découvrir le test. Sois en train d'acclamer Jésus. Sois en train d'acclamer très fort. Sois en train d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Découvrez le test. Je vais aller dans les détails de la prophétie de l'homme de Dieu. Frère Desmond, dites-moi. Frère Desmond, Midonmi. Lorsque l'homme de Dieu a localisé votre femme, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Je me rappelais bien des propos de l'homme de Dieu ce jour de la prophétie. Sans mélange. C'est comme ça chez nous ici à Port de Vie. Mais t'es bon Port de Vie, fille moi, non y bonne. Il est arrivé que papa m'a localisé en premier avant de localiser ma femme. Dès nous congrès, tu vois, moi aussi, mais on a assez de gens, n'y go et wa ouais. Il m'a dit. Bonanomido. Le problème des fruits des entrailles, tu vas enfanter Isaac et tu vas témoigner ici. Edo, visi tagba edo adeneo anadi Isaac bonawa fi bonawa de kulu. Et la situation financière qui est difficile actuellement, ça va changer et toi-même tu verras. Bon, à quoi si quoi de ouvert par le doyenéo, nous les pinan dieu par quoi les sous anamo. Mais comme la parole du choisi de l'Éternel, ça ne passe pas à côté, tout. C'est passé rectilinement. Bande, maou siméon, endo endo, ho monozek bon adisi aloa mion, ho zon trelele dide de bon pepepe. Après ma prophétie, ma femme a dit qu'on part à l'église, on va encore faire quelque chose. Je dis non. Dans la maison de mon père, c'est sec sec sans mélange. Maou siméon, da inoumi moi si tiedo, nemi kanan blok bon diamant simil, nemi nan blok bon do, eo, do, toche si kwekbeo. Parce que je lui ai dit, si on s'en va faire des médicaments pour contracter la grossesse, et si les fruits des entrailles viennent, à qui donnerons-nous la gloire? Après cela, c'est elle-même qui s'est fait localiser. Papa était de l'autre côté, il a couru pour venir devant, il dit, madame. Papa, à part quoi des bobes à ce moment-là, non? Elle dit, madame, venez, Dieu m'a dit de venir chez toi et te donner. Il a dit, quel enfant veux-tu? Elle a dit, peu importe. Mon père qui est là, toi tu es le fils. Il a dit, Edo, cadre, gros plan.
Cadre, cadre, gros plan. Gros plan. Gardez-moi bien cette image. Gardez-moi bien cette image. Que je vais mettre l'enfant dans son ventre et elle reviendra témoigner. Mais avant de mettre l'enfant, je vais dégager tout ce qui est dans son ventre maintenant. Bah moi aussi mais on donne dans cette vidéo qu'on met d'imba maintenant moi à mon tour dans cette vidéo qu'on tombe on nous aide à l'égo nous n'y voyons un bébé si ouais. Et le spectacle comme nous on est des spectateurs ça a commencé. Ça a commencé. Bon, Mitchell, nous, pas dit, nous, pas tant d'où. Ça a commencé. Comme ça se passe au Congo là-bas. Ça a commencé. Eh ben, vous-même découvrez l'image. Regardez, voyez la prophétie de l'homme de Dieu. Madame Midor. Dieu m'a dit que. Madame Midor, Mara, quand tu es bon à éviter. De venir chez toi, de te donner ton bébé miracle. Nous pouvons être un coureur. Même quand le prophète rit. Dieu agit. Fais de ta yuana. Tu aimes quel sexe? Hein? Avibaya. Tu veux d'enfant? Depuis quand? Deux ans. Aïe, fais tout avec. Tu as reçu ton bébé aujourd'hui. Non, il y a Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cadre, mais cadre. Les cadres. Là. Mais gros plan. Faites un gros plan. Hello. Ceci. Maouni de Pédi. Dieu l'atteste. Un. Deux. C'est un peu de combien? Mets ta main sur le ventre. Nous devons dire que visite même. Tout ce qui occupe la place du bébé. Nous on décide, ouais. Je l'enlève d'abord. Nous on décide. Je l'enlève. Nous on décide. Je l'enlève. Nous on décide. Je l'enlève. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Nous devons visite même dessiner. Ce qui occupe la place du bébé, je l'enlève. Nous on décide. 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 Je l'enlève. Il fit toi. Reçois ton bébé. Trois. C'est fini. Wow. Acclame très fort Jésus. Au pas la honte Jésus. Acclame très fort Jésus. Au pas la honte Jésus. Ah, célèbre ce Dieu. Très fort. Et il m'a demandé que désires-tu, j'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Sans mélange. Noi Akoleze, vous dites vos gosses en Wegbo. M'appelle Akoleze, Elodie, je viens de Wegbo. T'es ma oublou noué. Mais ma ouanou mion. D'un tivir ou n'égbetio. M'tion amou rego. Rego, et non waitam. Bon nom de fatigue. Après que j'ai terminé d'accoucher l'enfant que j'ai mis au dos, quand j'avais menstrué, cela coulait tellement que je ressentais la fatigue. J'avais des coups battus et je n'arrivais pas à me redresser ni manger. Mon époux m'avait dit qu'il va me ramener chez ma sage-femme. On était parti la voir. Elle m'injectait une piqûre. Elle a dormi que jusqu'à 6 jours comme ça. Bon, il a joué. Cela ne marchait pas. Bon, nous, elle est déjà. Et la maladie s'aggravait. Chaque jour, la maladie s'aggravait. Et j'avais tellement la fièvre, j'avais froid. Je ressentais la fatigue. J'étais anémie. Quand on me parlait, je n'arrivais pas à redresser la tête pour répondre. Et un soir, j'étais venue. C'était aux environs de 17h. Et la sage-femme m'avait injecté une piqûre. Après cela, elle a dit, madame, attends, je vais voir comment cela se passe. Bonne note. J'ai attendu. Ben on s'en était du yuri en diadi pour moi. Après quelques minutes, tu rends les belles ou mikpo. J'avais tellement de fièvre et je ressentais la fraîcheur. Tu rends aussi si mi kaka 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 kaka. Bon, zozo les remi, bon, ta fait mes nous bipé mi à zolo quoi zolo po. J'avais tellement de fièvre, je ressentais la fraîcheur, j'avais des maux de tête tout. Ben, hein, non, là, et soi, à zon yaya non. Elle a dit, cela ce n'est plus une simple maladie. Bota,
et Trévisan là et nous avons mis ça là fille. Elle venait ici à Port de Vie. Bota et nous détendons nos portables tu vois. Et elle a allumé l'une des spots qu'on fait sur Port TV. Mon papa le manque le bloc canon blanc et tout bas. Et l'homme de Dieu prêtait en disant les liens ne lient pas la terre. Canon blanc tchonhoa. Les liens ne lient pas le vent. Et ta vidéo de portable dit à toi. Elle a allumé une vidéo sur son portable. Bon, elle donne des gingons qui gotent, je vois mes couilles certains, baillé. Elle dit tout ce qui est assis sur ta gloire, elle refuse de bouger, je les brise. Et ta non, mon boulot de fond, mais mon, et c'est à Missy ça, les filles, pour si on coupe au condom, mais bon, à clan, quand tu es plus. Après qu'elle ait allumé cela, elle priait. Elle a pris l'eau des partenaires, l'eau des partenaires. Elle m'a donné à boire. À ce moment, il avait mes dents qui étaient déjà collées. Bon, dehors, mon zozo à son opo. Et à travers la prière, j'ai ressenti en même temps. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Elle a dit la saille femme a laissé ce qu'elle entend de lui pratiquer. Saille femme, elle a donné les données de Ado. Elle a laissé la médecine à part. Et d'autres Zoro. Elle est rentrée en esprit. Bon, Dieu a bien pris elle lui a fait le praticalisme. Mais ça va, tu t'es bien. Zozo bien présente, mais. Et tu as ressenti la chaleur dans ton corps. Bon, Zozo bien présente, mais. La chaleur est rentrée dans mon corps. Bon, elle est fière de couper les buts à son oco. Et la courbature a disparu en même temps. Aïe, 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 aïe. Nous, on calme, oui, 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 oui. Je n'avais pas ma menstrue avant que cela ne se passe. Moi qui ne buvais pas de l'eau. Je n'arrive même pas à prendre une bouchée d'akasa. En même temps, j'ai commencé par manger. Et j'ai eu la délivrance. Et pendant la fête de Pentecôte, elle m'a amené ici. Je n'avais même pas un franc pour prendre le transport pour venir ici. Mon mari était au chômage. Son époux et elle nous avaient remarqué de Waibo jusqu'ici. Et ce jour, l'homme de Dieu avait donné une requête. Je priais. Moi aussi je priais. Et lorsque je priais, j'ai ressenti comme un feu qui est sorti de ma tête. Et depuis ce jour, je n'ai plus ressenti les courbatures, les maux de tête. Et c'est cela qui m'a rejoué. Je vous remercie. Acclame très fort Jésus pour ce miracle. Sois béni. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Sans mélange. Réjouissez-vous avec moi, peuple de Dieu. Sans mélange. On m'appelle Adivignon Bidoma aussi. Je suis de Savalou dans la commune de Wessé Wogudo. Mais il y a qu'à demander bon ouli. L'ennemi a tendu un piège et je l'ai attrapé. Comment l'ai-je attrapé? Dieu a établi quelqu'un. Et on l'appelle François Xavier Alokpe. Et son surnom, c'est que le piment de Guinée est petit, mais il y a le feu dedans. Comment l'ennemi a tendu le piège? Mon enfant est né. Elle fréquentait jusqu'au CM2. Le jour où mon aîné m'a appelé me disant je passe au CM2, j'étais à Boycon en ce temps. Cela m'a réjoui et quand je retournais arrivé au niveau de Dassa, je lui ai payé un vélo. Et donc, trois jours après,
Elle a commencé pas divaguer. Elle disait, si je fais de haut manguier maintenant, je peux rentrer dedans. Après, elle dit, voilà, les gens sont venus me chercher déjà. Je l'ai amené voir un féticheur. Nous avons fait 7 jours chez le féticheur. L'enfant citait les gens seulement. Après les 7 jours, un autre féticheur m'a dit, amène l'enfant chez moi. Et lui, son fétiche, c'est Djagalou Kokou. Nous sommes allés auprès du fétiche. Et l'enfant et moi, on nous a initiés au fétiche. Et on m'a noué un pain autour de la taille. C'est un pain blanc qu'on m'a noué autour de la taille et à l'enfant aussi. Il y a le serpent dans le pain. Il y a une machette dans le pain. Il y a une âme qui a été dessinée dans le pain. Ils ont commencé par faire des cérémonies. Et là, on était là, l'enfant parlait. Et arrivé à un moment, l'enfant a perdu connaissance. L'enfant, il est mort. Finalement. L'enfant est mort. Voici mon fils, l'enfant-ci. Lui aussi, il fréquente l'école. Bon, et le CEP passé, lui aussi, il a obtenu son CEP. Bon, je lui ai aussi payé un vélo. Quand je lui ai payé le vélo, le méchant a encore tendu son piège. Et 3 jours. 3 jours après, lui et celui qui le suit, ils ont commencé par avoir une discussion. Il a fugué. Et il a dit qu'il va se jeter dans le puits. Qu'il ne veut plus du vélo. Qu'il va se pendre. Les gens l'ont pourchassé et l'ont attrapé. Les gens qui étaient dans le quartier ne savaient pas ce qui se passait réellement. Et ils l'ont chicoté. Alors il continuait toujours de dire ce qu'il disait. On m'a appelé, j'ai quitté la ville. Quand je suis revenu, sa maman était là et les gens l'entouraient et pleuraient. Même moi, j'ai foi en une chose. Je dis que je sais que celui qui parle et le jour se lève, il existe. Je sais que celui qui parle et il y a la délivrance, il est là. Quand je suis venu, je l'ai pris par la main. Pascal. J'ai dit Pascal. Suis-moi au nom de mon père. Suis-moi dans la puissance de Dieu. On est rentré dans la chambre. J'ai fait un autel de prière dans la chambre. J'ai placé le calendrier de l'église Porte de Vie dessus. Et je prie là. J'ai pris l'huile des partenaires. Je le lui ai versé sur la tête. Je lui ai donné à boire. Et j'ai dit au nom de mon père, maintenant, tu dis que quand la lumière jaillit, l'obscurité s'enfuit. Toute obscurité dans cette vie maintenant disparaît. Et il a crié. Depuis ce jour jusqu'à présent, je n'ai plus rien entendu. Est-ce que peut-être que célébrer ce jour-là? Au Père, nous m'envoie maman. Acclame très fort Jésus. Au Père, il faut nous acclouer. Ils ont pris l'autre, c'était l'aîné. Ils nous et ils veulent prendre celui-ci aussi par ouais, la main. Mais ils ont oublié qu'il a rencontré un Dieu de porte de vie. Cet enfant a été délivré de leurs mains. Viens au mon tout aussi à l'œil. Ton lèvre. Acclame très fort Jésus. Frère Divinion, sois béni. Frère Divinion, il donne non. Et il m'a demandé que désires-tu, j'ai dit le fruit des entrailles.
Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.